And now I give the floor to Honorable Albert Richard Royembo, Second Vice President of National Assembly of Gabon, who is speaking in the name of the Speaker Faustin Boukoubi of Gabon. Richard Albert Royembo, you have the floor, Excellency. Excellences, Monsieur le Président du Parlement panafricain, l'honorable Roger Kodonang, Excellences, Docteur Amal Abdoulaye Alkebezi, Présidente du Conseil national de la Fédération des Émirats arabes unis, Excellences, Monsieur le Président du Parlement du Malawi, Monsieur Richard Tsouwaya, Excellences, Honorable Achebir Gayo, ancien membre du Bureau du Parlement panafricain, Excellences, Honorable Docteur Bernadette Lahaye, ancien membre du Bureau du Parlement panafricain également. Excellences, Mesdames et Messieurs, distinguées personnalités. Le Président de l'Assemblée nationale de la République gabonaise, M. Faustin Boukoubi, aurait été très heureux et très honoré d'être parmi nous et de prononcer son allocution de circonstance à l'occasion de l'ouverture officielle de la deuxième session ordinaire de la cinquième législature. Empêché par des contraintes d'agenda, il m'a chargé, à ma qualité de deuxième vice-président, de vous livrer, au nom de l'Assemblée nationale du Gabon, le message ci-après. La gestion des réfugiés, de rapatriés, et des déplacés internes et entre autres la noble mission à laquelle l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, les organisations non gouvernementales et les États de l'Union africaine s'emploient à mener des actions adaptées afin de trouver des solutions idoines à ces fléaux résurgents en Afrique. En effet, selon l'Observatoire mondial des situations des déplacements internes, l'Afrique représente un peu plus de 16% de la population mondiale, mais elle compte un tiers des populations déplacées, composées de 6,3 millions de réfugiés et demandeurs d'asile politique, et 14,5 millions de personnes déplacées à l'intérieur du continent. Ces chiffres qui expriment la photographie du phénomène au premier semestre de l'année 2018 démontrent à suffisance que le continent africain représente plus de la moitié des 8,5 millions de nouveaux déplacés internes que compte la planète. C'est pourquoi, très préoccupé par l'ampleur et la complexité des déplacements forcés, des situations humanitaires prolongées qui constituent ou qui continuent de ravager les pays et les communautés à travers le continent, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont réaffirmé que le thème de l'année 2019 sur les réfugiés, les rapatriés et les déplacés internes constitue un moment historique propice car il met en avant le niveau exemplaire en solidarité partagée que l'Afrique entière entretient avec les populations déplacées. Dans l'esprit du panafricanisme, à une époque où les personnes déplacées sont confrontées à la discrimination et à la xénophobie dans ces nombreuses parties du monde. Aussi, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, les organisations non gouvernementales et les États de l'Union africaine assurent-elles la mission d'encadrement des réfugiés rapatriés et déplacés internes afin de maintenir un climat de confiance, d'espoir et de paix, en mettant en place un mécanisme de prise en charge collective.
Le thème 2019, année des réfugiés, rapatriés et déplacés internes vers des solutions durables aux déplacements forcés, nous invite à être imaginatifs et inventifs en œuvrant ensemble pour la mise en place des mesures correctives visant à moyen terme à réduire significativement ces fléaux en Afrique. 2019 est une année jubilaire, marquant le 50e anniversaire de l'adoption de la Convention de 1969 de l'Organisation de l'Unité africaine sur les aspects spécifiques des problèmes de réfugiés en Afrique, Convention de l'OUIA sur les réfugiés, ainsi que le 2e anniversaire de l'adoption de la Convention de 2009 de l'Union africaine pour la protection et l'aide des déplacés internes en Afrique, Convention de Kampala. Nous réitérons le souhait que ces instruments permettent aux États membres de prévenir les déplacements et de répondre aux besoins matériels et de protection des populations déplacées et de trouver des solutions aux crises humanitaires. Enfin, afin de donner de bien meilleures chances à l'efficacité de ces instruments, nous devrons froidement nous attaquer aux causes profondes et structurelles des conflits violents prolongés du terrorisme, de l'extrémisme violent, des catastrophes et des calamités naturelles, du changement climatique, de la mauvaise gouvernance, des violations des droits de l'homme et des autres facteurs qui ont entraîné un grand nombre de déplacements forcés. Les parlements nationaux doivent davantage s'approprier les réformes et veiller à ce que le dispositif normatif, réglementaire et législatif apporte des correctifs aux causes profondes identifiées. À cet effet, les parlements nationaux devraient concourir au réaffirmement de la paix, de la sécurité durable, de la démocratie et du développement socio-économique, conformément aux nobles objectifs de l'agenda 2063 qui vise à faire taire les armes et à mettre en terme toutes les guerres en Afrique à court terme. Excellences, Mesdames et Messieurs, distinguées personnalités, je salue le choix du thème de la présente session intitulé 2019, année des réfugiés, rapatriés et déplacés internes vers des solutions durables aux déplacements forcés, qui traduit à suffisance l'importance de la place de l'homme dans l'agenda de notre organisation et qui s'inscrit dans la droite ligne des objectifs du développement durable. En matière d'engagement sur la problématique des réfugiés rapatriés et déplacés internes, la République gabonaise mobilise entre autres son énergie pour consolider le processus menant à l'arrêt de toutes les hostilités sur le territoire de la République centrafricaine en soutenant le travail d'harmonisation de tous les efforts de paix qui aboutit à l'adoption d'une feuille de route pour la paix et la réconciliation à Libreville le 17 juillet 2017. Notons également que l'armée gabonaise dispose d'un contingent militaire dans le cadre du maintien de la paix dans ce pays frère. C'est ici l'occasion de saluer cette avancée majeure qui marque l'engagement indéfectible des pays voisins, de l'Union africaine et de la CAC au succès de cette enquête lassable vers la paix. Les questions de réfugiés, des rapatriés et des déplacés internes sont systémiques, intégrées et traversent bien évidemment la nécessité participative inclusive de tous les acteurs. C'est dans cet esprit que le pacte mondial sur les réfugiés, adopté par l'Assemblée générale des Nations unies en décembre dernier, en appelle à une plus grande inclusion des réfugiés dans les communautés où ils résident, ainsi qu'un soutien plus global pour les pays qui continuent à les accueillir. En définitive, l'éradication de nombreux motifs complexes du déplacement reste le moyen le plus efficace pour trouver des solutions. Cela concerne notamment les questions ayant trait aux conflits armés, au terrorisme, à l'absence de bonne gouvernance, à l'absence de l'état de droit et le respect des droits de l'homme, la corruption, les inégalités économiques et celles en matière de répartition des ressources. Nous réaffirmons notre attachement à la déclaration des chefs d'État et de gouvernement sur le lancement du terme « année des réfugiés, rapatriés
et déplacés internes pour une solution durable aux déplacements forcés en Afrique, au cours de laquelle les États membres, la Commission de l'Union africaine et ses partenaires ont été invités instamment à adopter une approche globale de l'action humanitaire fondée sur l'inclusion sociale et le développement durable, en mettant l'accent sur les jeunes, les enfants, les femmes, ainsi que les hommes et les femmes réfugiés, pour ne pas me répéter. Malgré les nombreux défis qui s'y attachent, l'éducation et la sensibilisation constituent l'un des axes stratégiques à prendre en compte pour renforcer l'implication des acteurs de ce secteur. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Comprenez effectivement mon émotion.